Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo test de slime. Donc c'est des slimes qui sont vraiment pas chers du tout, que j'ai commandé sur le site Wish. Donc j'ai essayé de vraiment prendre des slimes qui ont été jamais vus ou très très rarement, assez originaux. Donc je vais vous les présenter tout de suite, c'est parti. Je vais vous présenter celui-ci en premier parce que je trouve que c'est le moins original. On en voit pas mal en ce moment, des slimes dans des canettes de soda. Donc j'ai pris le orange. Le slime est super joli parce qu'il a des paillettes blanches dedans. Je sais pas si ça se voit un petit peu là à la caméra. Je pense que comme ça vous le voyez, c'est vraiment des petites paillettes là dedans. Elle ressort pas bien à la caméra, mais il y a vraiment des petites paillettes super fines dedans et c'est vraiment joli. J'avais jamais vu un slime avec des paillettes comme ça. Bon, et rien à dire sur le slime, il est très bien, il s'étire très bien. Il a une jolie couleur et un joli transparent. J'aime trop les slimes comme ça. Je le répète à chaque fois, mais j'aimerais vraiment réussir à faire des slimes comme ça. Nos slimes qu'on fait nous, ils n'ont pas cette texture là. Deuxième, pas forcément très original non plus, parce que c'est un slime normal, nacré, mais je le trouvais vraiment beau sur la photo du site. Du coup j'avais envie de voir ce que ça donnait, un nacré comme ça, vraiment couleur perle un peu, et il est vraiment très très beau. Il a plein de reflets, vraiment nacré, blanc, malgré qu'il soit violet, ça fait vraiment comme les perles en fait, les reflets font blanc un peu, super joli. Et sur le slime en lui-même, rien à dire, il est très bien. Ce slime-là, il a été vu très peu de fois, je pense, sur YouTube et surtout chez les Américains. Et du coup, quand je l'ai vu sur le site, j'ai sauté dessus. Je l'ai tout de suite mis dans mon panier parce que franchement, je le trouvais trop joli à chaque fois que je le voyais en photo sur YouTube. Et du coup, j'avais vraiment envie de voir en vrai. Du coup, c'est un slime bleu avec des petits trucs transparents dedans. Et surtout, les petits canards. Trop mignon. Il est trop chou, le petit canard. Ce slime là pareil, j'ai mis direct dans le panier parce que j'ai trouvé vraiment super original et personnellement je l'ai vraiment jamais vu sur YouTube. C'est un slime couleur miel, dedans il y a des petites billes noires et il y a deux petites abeilles, trop mignonnes. Donc les petites billes noires, ce sont des billes de polystyrène tout simplement, et les petites abeilles, elles sont en dur, en cabochon un peu comme les petits canards. Voilà, comme les petits canards, il y en a deux. L'autre, elle est là.
Ce slime sirène, je n'ai jamais vu non plus sur YouTube. Après, j'ai pas non plus vu toutes les vidéos YouTube, hein, donc si vous l'avez déjà vu, c'est qu'il a déjà été fait, mais en tout cas, moi, je l'ai jamais vu. C'est un slime transparent avec des perles bleues et violettes dedans, et surtout, il y a une queue de sirène. Avant-dernier slime qui m'a vraiment plu tout de suite sur le site, c'est un slime avec un genre de glaçon et il y a aussi une sucette à l'intérieur. Voilà le slime, je sais pas du tout en quoi c'est fait ça. Une texture assez particulière, je vais essayer d'en retirer un. Je sais pas en quoi c'est fait, mais c'est pas complètement dur. Le petit bémol, j'ai l'impression que les petits cubes là, ils absorbent le slime. Ce qui fait qu'il reste plus énormément de slime à tirer que les cubes quasiment. Si je les enlève tous, vous allez voir. Voilà ce qui reste comme slime au final quand il n'y a pas les cubes. Je trouve que ça fait quand même un tout petit slime. Bon, une fois que vous n'avez pas les cubes, ça suffit, hein, vous pouvez les tirer. Mais avec les cubes, c'est un peu trop juste. La petite sucette, elle est trop mignonne. Dernier slime que j'ai à vous présenter, il est vraiment très spécial. Il n'a pas du tout une texture comme celle des autres. Donc déjà il est super joli, il est rose avec des petits morceaux d'or dedans et trois étoiles de mer, super joli, une bleue, une rose, une violette. Et il a une texture mousse, en fait c'est pas du tout la même texture que les autres slimes transparents. Je sais pas si vous allez entendre. On dirait un cloud slime limite. Donc voilà, je vous ai présenté tous les slimes que j'ai achetés sur le site Wish. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve tous vraiment très jolis. Il y en a pour un peu tous les goûts. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.